Cette vidéo pour vous présenter mes 4 livres publiés en 2022 et oubliés par les journalistes inféodés aux Insta. J'aurais peut-être pu utiliser le terme censure car le monde médiatique semble organisé pour justifier l'absence des véritables indépendants dans les médias subventionnés. Quatrième, là où nous allons, Emmanuel Macron empire mon septième roman. Cette dystopie fut publiée déjà le 22 août 2022 sous le titre « Là où nous allons soumissionner l'autre nom du pays ». Présenté au concours Plume francophone d'Amazon, officiellement encore une des rares possibilités de visibilité pour un indépendant. Le géant américain a ainsi la possibilité de nous obliger à lui accorder une exclusivité de 3 mois, trimestre durant lequel toutes mes tentatives promotionnelles furent vaines. Je n'ai pas payé. D'où la nécessité d'un autre titre afin de permettre sa présence sur l'ensemble des points de vente qui acceptent les indépendants. Troisième, Aurélien Pradié est troublant, le député du Lot décortiqué de sa circonscription. Et oui, c'était un des candidats à la présidence de ceux qui se prétendent républicains, si, se prétendent républicains, les candidats des riches. Le deuxième, ce fut un petit conte du Matin Brun au Jour Marron, France 2002-2022. Un conte repartant du Matin Brun de Franck Pavlov, publié en 1998 et succès en 2002, quand l'extrême droite a fait sa percée. Et 2022, c'est pour décortiquer la montée du candidat de l'extrême oligarchie en France. Et le premier qui fut publié en février, alors que le compte était en mai, La France harmonieuse, un essai présentant une autre voie politique et sociale. Quatre bouquins invisibles, la France est un grand pays de liberté d'expression, à condition d'être inféodé à une écurie visible, ou alors on a toujours la possibilité, en tant qu'indépendant, de payer. Oui, on peut payer un peu partout pour que vous sachiez qu'on a payé pour essayer d'être visible. Mais je ne paye pas, c'est peut-être pour ça que je suis invisible. Donc vous comprenez pourquoi, parfois, dans les vidéos qui ne sont pas très visibles, mais un peu plus, j'essaye d'insérer cette petite présentation.